Voilà, bon, on va parler des planches là, des lattes, aussi la fabrication des planches, parce qu'ici dans les Landes, on a des vagues très creuses et on pète plein de planches. Donc j'essaie toujours d'avoir des contreplaqués, ça veut dire que c'est une petite latte, mais quand même il y a quatre morceaux de bois, ça s'appelle les contreplaqués ou four ply. Et ça, c'est très très solide, c'est beaucoup plus solide que juste un seul morceau de bois. Donc, on essaie d'utiliser ça. Ça, c'est une planche de marque Lacoma. Et on voit, ça, ouais, on voit pas, mais on essaie toujours, quand on glace les planches comme ça, de faire les lattes très larges. En espérant que ça va péter moins, ça veut dire que la latte, ça va jusque là. Donc c'est très important, je pense, pour l'avenir, qu'on garde, on essaie de garder les planches. On a un seul morceau. Et voilà. Et moi, je suis en train toujours de travailler sur encore des lattes plus performantes. Ça, c'est une latte faite, c'est un Applecore faite en États-Unis. C'est Brad Applegate, c'est un fou. Ça veut dire, c'est une famille de génies. Et c'est Applecore, et on essaie toujours de faire des Applecore sur toutes les planches, donc les petites planches, et pour les barrels ici, parce que tous les jeunes maintenant, je suis plus jeune, ils surfent sur les RV shorty dans les barrels, et là c'est pas un seul couche, c'est pas léger, super légère, il faut des planches qui tiennent quand même. Donc, Applecore. String up.